Bonsoir mes compagnons de la vape. Bah, écoutez, c'est JP pour une petite vidéo inutile et blabla. Au moins, vous le savez, vous pouvez couper directement et changer une autre vidéo sur YouTube. Chez moi, il est 1h, heure locale. Et en fait, comme ça faisait à peu près une dizaine de jours que j'ai posté ma dernière vidéo, je voulais vous faire un signe de vie pour vous dire que je n'oublie pas de refaire certaines présentations sur ce que j'affectionne au niveau matos et au niveau liquide. Donc je suis toujours indécis sur ce que je vais faire sur les prochaines vidéos, à savoir soit le guillotine de chez Wismec qui m'était fourni dans le kit RX Machina qui se trouve ici. Voilà, jamais utilisé, voilà, en trois parties éclatées dans ce coffret. Mais pour ça, il faudrait que je le monte. Il faudrait que je fasse quelques tests avant de vous le présenter, mais bon, voilà. Et une autre revue, enfin bon, ça se perd un petit peu. Les revues sur le die, ça se perd un peu. Moi-même, j'achète mes liquides tout près maintenant. Voilà. Mais éventuellement, j'avais une super recette à l'époque sur le mode milk. C'est une petite variante du mode en milk, il me semble. Enfin bref, et que j'avais affectionné particulièrement. Et il me reste effectivement la batterie d'arômes. Tout ça d'arômes. Vous avez vu une huitaine de flacons. Et je pensais éventuellement de faire une petite revue, donc justement faire du dye sur le mode milk. Sur le proton de 50 ml, nous il me reste de la base en 50-50, mais bon, le mieux pour normalement pour ce par rapport au dosage de la recette de ce type d'arôme, il était préconisé 70 de glycérine végétale et 30 de propylène glycol. Voilà, donc en fait, petite revue inutile qui sert strictement à rien. C'est juste pour vous donner un petit signe de vie. J'étais donc il n'y a pas très longtemps à Vongtao en scooter, c'est une centaine de kilomètres du Vietnam, de Saigon, d'Ho Chi Minh. Hein. Voilà, passé quelques jours, profiter de la mer, du vent, et puis voilà. Et en fait, j'ai pas trop eu le temps de préparer une vidéo. Donc, au moins, je me suis dit, bon, même si c'est un retour inutile, c'était pour vous faire un petit signe de coucou. Grosse déception parce que justement, durant ce séjour qui a duré à peu près 48 heures, j'ai très peu vapé, j'ai beaucoup fumé, et là, je suis pas très très fier de moi. Comme quoi, quand on n'est pas complètement décroché du tabac, ça le suit, hein, en fait, voilà. Alors que ce soir, je prends vraiment un malin plaisir à vaper un Vanilla Custard Tabaco de chez Hugo Tidus. Qui est excellent. Donc pourquoi avoir rapproché un peu la cigarette? Il n'y a pas de logique là-dedans. Voilà. Quand on est un ex-fumeur, semi-fumeur ou un vapeur fumeur ou un hybride, la tentation est grande, surtout ici au Vietnam où le paquet n'est pas très très cher encore. C'est vrai que, ceci dit, quand on est vapeur fumeur en France, par rapport au prix du paquet de clope, j'ai envie de vous dire, on se rapproche vachement plus de la vape prévanée. Parce que je pense que vous êtes à peu près à 7 euros le paquet maintenant, je sais pas. Je suis resté à mes 1 euro le paquet, 1 euro 10, donc je ne me rends pas vraiment compte. Enfin voilà. Et sinon, petite anecdote, j'ai regardé quelques films, ça m'arrive parce que je suis un cinéphile, j'aime bien regarder quelques films. Et donc dans L'Apparition avec Vincent Lindon, c'est un film qui, je pense, est à peu près récent. Bah, écoutez, c'est la première fois que je vois dans un film un acteur en train de vapoter. C'est dingue, quoi. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu ça. Et d'autant plus que dans ce film, enfin, peut-être que vous l'avez vu ou que vous le verrez, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un prêtre en plus. Hein, un prêtre, voilà. Le but de l'histoire, enfin, c'est une connerie, c'est Vincent Lindon est un journaliste qui doit
aider, on va dire, un groupe à authentifier, on va dire, une apparition de la Sainte Vierge. Voilà, on s'en fout. Et il y a une apparition donc à plusieurs reprises donc d'un prêtre ou un curé. Enfin, je connais pas trop les nuances au niveau des grades, au niveau de tout ce qui a trait à la religion. Et lui donc il vient des States et avant de rencontrer donc celle qui a vu l'apparition, il est là, il attend, il est en train de vapoter donc sur une box et un vapeur. Moi, c'est assez rigolo, ça dure pas beaucoup, ça dure une dizaine de secondes, c'est tout. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, un film français qui laisse apparaître un acteur en train de vapoter. Donc, je me suis dit, tant mieux, ça fait un petit coup de pub et c'est assez rigolo. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ce film qui est, ma foi, qui est pas désagréable à regarder. Voilà. Voilà. Écoutez, vidéo complètement blabla, je vous l'avais dit. J'essaierai de revenir plus sérieusement vers vous la prochaine fois, donc certainement pour vous tester donc le guillotine qui est toujours remisé dans ce kit que j'avais acheté, le RX Machina de chez Wismec, ok. Donc j'essaierai, mais bon, je pense que ça va pas être quelque chose d'exceptionnel, franchement. Apparemment au niveau saveur c'est pas quelque chose d'exceptionnel, donc c'est pour ça qu'il est toujours dans son coffret, dans son coffret pardon, et que je m'en suis pas occupé jusqu'à maintenant. Et puis pourquoi pas, bah écoutez, on se fait un die 50 ml, avec j'ai tous les arômes. Si ça vous intéresse, bah dites-le moi en commentaire et puis bah je vous ferai une petite vidéo et on se fait le die ensemble, ok. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne vape. On va pas encore en foutre une couche supplémentaire, enfin bon, je vais le dire quand même pour le plaisir de le dire. Heureux d'être encore champion du monde après 20 ans de la Coupe du Monde française au niveau du foot. Je suis pas un footeux dans l'âme, hein, je l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo, mais bon, écoutez, ça fait plaisir. Voilà. Et si vraiment autant de Français, autant de personnes, autant d'humains pouvaient trembler autant que par rapport à ce match de foot, pouvaient trembler autant pour mettre en avant des choses à rectifier, on va dire, par rapport à nos lois, notre gouvernement, à des choses qui vont pas, à plein de choses, ça serait magnifique. Hein. Enfin voilà, ça reste le charme du sport. Et ceci dit, effaçons ça de cette vidéo. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un petit coucou. Et puis, je pense à vous bien fort. Et je vous reviens bien vite. Sur ce, une dernière map. Ciao, ciao.